Donc là, nous sommes sur le parcours des 7 ans. On arrive au numéro 13. On a dépassé la moitié du parcours puisqu'on est dans la sixième minute. Une combinaison avec trois éléments, ABC. On voit, c'est des troncs de biais. On aura quatre foulées un petit peu longues entre le A et le B, avec un mouvement de terrain qui va aussi faire jouer la difficulté sur l'équilibre du cheval, puisqu'on voit que le premier est un peu panoramique. Hop, ensuite, on saute également le deuxième en haut de côte, comme ça, un peu panoramique aussi. Et puis derrière, l'élément C avec trois foulées assez longues et beaucoup de biais sur le troisième élément, et en plus dans la descente. Donc tout ça mis bout à bout, et comme je disais, on est déjà à la sixième minute, donc les chevaux vont commencer à être un petit peu fatigués. Et donc là, réception de l'élément B en descente, on se dirige sur le C, avec trois foulées longues, beaucoup de biais sur le C, vraiment dans la descente, une porte ouverte à droite, donc il va falloir gérer la distance, gérer l'équilibre du cheval et surtout la direction. Et ensuite, on repart pour une galopade pour rejoindre le deuxième guet.